Salut à tous, donc on se retrouve comme prévu pour la suite avec Sion, donc qui est devant la montagne de glace Jinmund. Et pour rappel, Sion, on est dans les cieux, là où se cachent les Danans, et on devait rencontrer les 4 divins Danans pour pouvoir retourner sur Terre. Et c'est justement le dernier qu'on n'a pas fait, qui se trouve dans cette montagne. Normalement notre équipe est assez forte. Bon, je dis ça à la vidéo précédente et je me suis un peu massacré, mais là ça devrait être vraiment bon. Un Yeti. La vidéo commence bien en tout cas, même si on va le tuer quand même. Ah tiens, ils ont... Il y a une attaque qui s'appelle Jinmund, c'est marrant ça. Voilà, donc ce qui est super cool là, c'est qu'on a... Comment, Ramirez qui a un arc de feu qui en plus tape tout le monde. Donc c'est vraiment génial. Ce qui est moins cool, c'est que je connais pas la route. Ce qui est encore moins cool par contre, c'est que comme un abruti, j'ai vendu toutes mes armes. Alors que faut que j'en mette 26 armes élémentaires. Et du coup j'ai que Ramirez qui fait beaucoup de dégâts. Alors que c'est censé être le mec qui soigne. C'est un peu dommage quand même. Tant pis, on soignera avec l'ogre. C'est quoi ça déjà? Oh, écoutez, c'est trop long. On va s'enfuir. Ah, je déteste ça. C'est trop chiant, il pourrait nous le donner en entier le truc. Alors c'est peut-être facile à deviner quand tu vois le mot que ça veut dire en japonais. Peut-être. Et là... Voilà, on doit, oui, récupérer l'épée Jinmund, mais comme vous le voyez, c'était un piège. Ouais, il fait aussi mal que l'ogre. Hein. Enfin, l'ogre, le géant, pardon. C'est un géant, il n'y a pas d'ogre. Voilà. J'ai aussi créé du coup un sort de feu assez puissant. Enfin, très puissant même. Qui devrait me permettre de faire plus vite le boss. Je crois qu'il donne pas beaucoup d'XP en plus les monstres. Oui, parce que du coup chaque Rudra crée sa race et le Rudra suivant détruit la race précédente pour créer une nouvelle. C'est un peu des Hitler en fait. C'est n'importe quoi. C'est le Hitler des Danans. On va pas combattre puisque c'est trop long. Qu'est-ce que ça dit? Avancer deux fois et reculer deux fois. On sera alors au lieu où se trouve l'épée sacrée. Bon bah c'est pour faire ça. C'est comme si tu mettais ton mot de passe sur ton écran un peu là. Merde, ça marche pas. Pourtant ce que j'ai fait. Hein. Ah, c'est peut-être deux fois à partir du moment où on est dans le truc. Trois fois du coup. Alors faut faire gaffe. Voilà, pourquoi faut faire gaffe? Ils peuvent nous rendre un peu fous. Alors, du coup j'avance deux fois là. Voilà.
2. Ouais, d'accord. Là, en fait, c'est que j'avais déjà avancé deux fois. En fait, c'est juste que je sais pas compter. Jusqu'à 2. C'est compliqué en même temps. Mais allez, là. Je veux pas tuer Tieti, là, c'est bon. Alors. Donc, on va avancer deux fois. Une. Deux. Et reculer. Une. Vas-y, on va les attaquer. Parce que... Franchement, vu les dégâts que je prends, je pense que je suis assez puissant. C'est vrai que j'avais fait pas mal d'XP avec Sion. Il donne 78 d'expérience. Ça m'a pas l'air énorme. C'est pour voir en fait si j'ai le niveau ou pas. Ah, quand même. Ils montent presque tous dans 100 d'XP. 3 persos. Est-ce que je ferais pas mieux de monter d'un niveau avant quoi. Non, on va pas perdre de temps. Spécial leur prophétie. Hein. En fait, on est tous potes, mais on se fout sur la gueule, c'est assez spécial hein, ce jeu. On va tenter le Subapito. 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 Vas-y. 300. Non, c'est pas assez. Faire ça et toi tu attaques. Il fait zéro dégâts. Non, je dis que c'était pas assez 300, mais en fait. Ah, mais il a pas de MP. On va y servir à rien, c'est génial. Sion qui sert à que dalle. Parce que là, avec une épée de feu, il aura tout défoncé là. Enfin, dommage. C'est vraiment un zéro dégâts. Mais qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé. Pourquoi je fais Megami? Aucune idée. Bon bah... celle qui va faire tous les dégâts. Attends, peut-être que lui il fait plus finalement. Ah oui, c'était Megami. Ah oui, c'est parce que j'ai pris le truc qui était en 3ème position. Vu que avec Risa... Silent, c'était... Megami était en 3ème position, par habitude j'ai fait ça. Oh, ça va, il a pas beaucoup de vie. On va la tenter comme ça. Au moins il sert à quelque chose comme ça. Hop. Attends, dis-moi pas qu'il a moins de vitesse. Faut que son ait plus de vitesse. Espérons. Ouais, ça va. Thank you.
Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, c'est un egg. Voilà, donc on est dans l'egg. L'egg, c'est HEG, hein, egg. C'est, je sais pas si tu vous rappelez, dans le scénario de Risa, la sirène, elle avait un œuf. Et ben, c'est ça. Enfin, c'est pas un œuf, hein. Enfin, vous avez compris, quoi. Et c'est pas mal, ça va nous permettre de... Du coup il a sa nouvelle épée lui, non? Ah elle est violente hein. Sauf qu'elle est de type O alors que... Il faut un truc de type feu, c'est pas vrai. Hop. Ça m'y fait toujours pas mal. Il fait pas mal parce qu'il devait être de type O. Ok. Nuado, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est bien ça. On va lui enlever son épée pour l'instant parce que. Elle est pas du bon élément. Vous allez voir à quoi sert l'egg après. Alors là, faut descendre comme ça, ouais. Alors c'est pas forcément très clair ce donjon, hein. Faut deviner que les trucs sont des portes, bon au bout d'un moment on a compris. Mais du coup... Si le truc des lianes là, comme ça... Je sais plus si on peut les prendre depuis le côté, je crois pas. Hein. Oh, merci. On faut... Ce serait vraiment bien que ce jeu ait une localisation au moins anglaise. Qu'on refasse le système. Le jour où c'est de l'eau empoisonnée, je me fais avoir direct. On va peut-être pas trop fuir non plus, mais bon. Tant que ça passe. Ça passe pas. Hein. C'est vrai qu'on peut se régénérer autant de fois qu'on veut là donc. C'est vrai qu'il donne pas mal d'XP d'or. Thank you.
Voilà. Ok. Est-ce que ça serait par là? Oui. On peut aller par là. Le donjon était court. Enfin, des humains, de... il n'y a que deux humains là. Du coup, lui, il est de type O également. Donc si on sert à rien, on va lui faire faire ça. Ça économisera des MP aux autres. En plus, il le fait en premier, donc c'est parfait. Ouais, parfait, il va tanker. C'est bon coup critique hein, des fois Foxy. Hein. Alors, normalement le meilleur souvenir c'est lui. Hein. Ouais, pas mal. Bon, les boss sont expéditifs, mais bon. Je pense que ça me dérange pas trop. J'ai fait un peu trop XP, je crois, avec Sion. Solent. Ce timing. Ouais. Et donc on tombe à Avdol, hein. Je rappelle que c'est tout zombifié maintenant. Et on a enfin retourné sur Terre. Hein. Voilà, et donc nous sommes au jour 10. Donc c'était le jour 9 de Sion. On avance pas mal, hein. Sachant qu'il y a 15 jours à chaque scénario, et que pour Risa, il y a 2 jours qui vont passer très très vite. Donc vaut mieux avancer Sion et Silent en premier. Bah écoutez, on a fait les 3 quarts du jeu, hein, je dirais. On va peut-être pas. Plus de la moitié en tout cas.
Peut-être pas les trois quarts parce que y a, après les trois scénarios, il y a un autre truc très court mais très intense. Bah en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était une vidéo courte et ça fait du bien. Parce que la vidéo précédente, c'était totalement l'inverse. Et puis je vais regarder de mon côté ce que je peux faire pour mon manque d'armes. Et surtout ne jamais vendre Jigmund, puisque bah déjà elle est puissante. Et puis épée d'eau, donc ne la vendez pas. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine, salut. Et laissez un commentaire, merci.